Dire que ce sont certainement des travaux très orientés vers l'avenir, encore futuristes, c'est évident. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a à l'heure actuelle quand même déjà un certain nombre de nanotechnologies qui existent en tant que médicaments. Il y a par ailleurs un développement considérable de nanovecteurs qui sont actuellement en clinique. Alors, on ne peut pas préjuger, bien entendu, du résultat clinique de l'ensemble de ces technologies, mais personnellement, je suis quand même relativement optimiste et je considère qu'il devrait y avoir dans les prochaines années un certain nombre de nanovecteurs qui seront mis sur le marché comme nouveaux médicaments. Donc, je dirais que futuriste certainement, science-fiction certainement pas.